Yo la team, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Footpack pour ce nouvel épisode de La Collecte. Aujourd'hui, on se déplace à Paris pour rencontrer Mehdi. Mehdi, salut. Salut. Merci de nous accueillir. Avec grand plaisir. Merci de venir. Est-ce que tu te portes aussi bien que Siaka Tiené sur son côté gauche parce qu'il était au PSG? J'espère mieux que lui. Mieux ? Ouais, j'espère mieux. Mais ouais, en tout cas, je me porte bien. Merci beaucoup. Merci tant mieux. Alors, est-ce que, avant de nous montrer ton trésor de guerre, est-ce que tu peux te présenter à notre communauté ? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Mehdi Maizi, ça tu l'as dit. Journaliste, animateur, d'émissions qui gravitent autour du rap. Voilà, globalement, je parle beaucoup de rap. Là, aujourd'hui, au moment en tout cas où on parle, je travaille chez Apple Music. J'anime une émission qui s'appelle Le Code là-bas. Alors justement, rap et foot, c'est deux univers qui font bon ménage. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi les liens sont aussi forts entre ces deux univers? Je crois que ça n'a pas toujours été le cas en vrai, parce que moi j'ai 35 ans et quand j'ai commencé à aimer le foot, d'ailleurs j'ai aimé le foot avant le rap, il n'y avait pas vraiment de lien entre foot et rap dans les années 90, tu vois, c'était pas plus avancé que ça. T'avais deux, trois trucs, genre Doc Gynéco qui invite Basile Boli sur Passement de Jambe, deux, trois refs, mais c'était pas aussi évident. Et moi, il y a un truc qui m'a toujours marqué, c'est, tu vois, quand tu regardes Les Yeux dans les Bleus, il y a quasiment pas de rap, à part Turam qui écoute NTM, tu vois. Mais sinon, la BO de cette génération-là, elle, c'est pas vraiment une génération qui écoutait du rap. Donc je pense que c'est arrivé après, et qu'aujourd'hui, le rap étant tellement populaire, que du coup, les footballeurs qui sont des gens relativement jeunes, comme une grande majorité du public rap, écoute du rap. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Souvent, on essaye de trouver des liens sociétaux, etc., qui expliquent les liens entre le rap et le foot. Il y en a sûrement, mais je pense qu'aujourd'hui, si tous les joueurs de l'équipe de France, par exemple, écoutent du rap, c'est surtout parce qu'ils sont jeunes, que globalement, une grosse majorité des jeunes écoutent du rap. Moi, je pense que c'est aussi simple que ça, en vrai. C'est quoi qui t'a fait aimer le foot? Moi, c'était la Coupe du Monde 94. Je suis très vieux, mais en fait, avant je m'en foutais un peu, après avant, enfin j'avais 8 ans, 94, donc, mais c'était le premier événement foot, tu vois, que je voyais en fait, et j'avais l'impression, peut-être que mon souvenir a un peu, embelli le truc, mais dans mon souvenir, j'avais l'impression que pendant tout l'été 94, on parlait que de ça. Pour moi, l'été avait été rythmé par la Coupe du Monde et par la rivalité Brésil-Italie, donc c'est un peu cette folie-là, et cette effervescence-là qui m'a fait aimer le foot. Et puis après, dans la foulée, il y a eu les saisons 94-95 avec le PSG, pour le coup, qui va en demi-finale de la Ligue des Champions. Et donc voilà, c'est un peu ça. C'est les deux... Enfin, la Coupe du Monde qui a fait m'intéresser au foot, et ensuite la saison du PSG qui a un peu consolidé mon intérêt pour ce sport, quoi. Et après, du coup, je crois qu'après la Coupe du Monde, je prends une licence et je commence à jouer au foot, en fait, à ce moment-là. Sur Instagram, le 30 juin dernier, t'as partagé une photo aux côtés d'Esprit Noir. Et sur cette photo, ouais, t'as sorti une belle paire de Air Max et surtout une belle tenue des Pays-Bas de 98. Tout à fait. Cette passion pour les maillots de foot, tu l'as depuis quand ? Moi, je sais pas si on peut parler de passion. En fait, d'abord, j'étais footballeur, à mon tout petit niveau, mais j'étais footballeur, donc il me fallait des maillots de foot. À l'époque, moi, j'allais acheter avec ma mère des maillots chez Decathlon, quoi. Donc, tu avais les clubs principaux, quand même, on va dire, français et européens, mais c'est tout. C'est-à-dire, si tu voulais avoir un maillot de Boca Junior, n'importe quoi, c'était quasiment impossible, en fait. Ou alors, fallait vraiment être un digger, voyager, être en Argentine. Ouais. Donc, c'était assez compliqué. Et donc aujourd'hui, je pense que c'est pas tant, c'est un intérêt, et surtout je pense un côté un peu revanche, en mode tous les maillots que moi je pouvais pas avoir parce qu'ils étaient pas disponibles ou parce que ça coûtait beaucoup d'argent, maintenant je peux les avoir. Et d'ailleurs, les maillots que je préfère, c'est souvent des maillots de mon enfance. C'est pas tant le dernier maillot de Manchester City, tu vois. C'est vraiment plutôt le maillot de, je sais pas moi, que Ian Wright pouvait porter à l'époque, tu vois. C'est plus ça qui va m'animer parce que c'est comme ça que j'ai aimé le foot. Donc je dirais qu'il y a un peu un côté... Après, j'ai toujours aimé les maillots. Plus qu'une passion, je crois que c'est vraiment une volonté de se faire un kiff, quoi. Tu vois, c'est un peu comme la phase de Orelsan, tu sais, dans le morceau avec Oxmo, là. J'ai réussi ma life, le morceau, je crois. Bref, où il dit, j'ai racheté tous mes jouets de gosse, j'ai réussi ma life. J'ai racheté tous mes jouets, j'ai réussi ma life. Il y a un truc un peu comme ça, tu sais, quand t'es adulte, tu vas pas jouer avec ces jouets, justement, mais c'est un peu un truc qui te fait plaisir, tu vois, de pouvoir te payer ce que t'as eu à l'époque ou ce que t'as pas pu avoir. Donc c'est un peu ça, tu vois, quand il y a le maillot du Brésil qui est là, quoi, c'est un maillot que je pouvais pas avoir en 98, donc je suis juste heureux de l'avoir aujourd'hui, quoi. C'est plus ça, je crois.
Ok, et donc là, t'en as combien aujourd'hui des maillots? Franchement, je sais pas, mais en préparant un peu cette rencontre, je me suis rendu compte que j'en avais plus que ce que je pensais. Parce que là, bon, je sais pas combien on a, il y en a peut-être une petite vingtaine, peut-être un peu moins. Je pense qu'il y en a autant en bas. Donc c'est ça, ça doit être dans les vers 40, je pense, un truc, peut-être 40-45. C'est pas énorme, mais il y a quand même une, tu vois, il y en a quand même quelques-uns. Mais je, comme je le disais en fait, je suis assez frustré parce qu'il y en a, j'en ai que j'ai eu quand j'étais petit et que j'ai perdu par déménagement, et ça, c'est frustrant. Tu vois, comme un maillot de l'équipe de France 98. Bah ouais, j'avais un 98 en blanc, sans l'étoile. Mais voilà, mais après, si je veux l'avoir, je peux l'avoir. Ça qui est cool aujourd'hui, ouais, en fait. C'est que t'as des sites aujourd'hui qui te permettent de te faire ces kiffs-là. Parfois, c'est un peu cher, mais globalement, tu peux les avoir. Bah justement, maintenant, on va passer aux maillots qui sont là et qui ne sont pas perdus. Ouais. Tu vas nous présenter les 5 pièces les plus mythiques de ta collection. Bah alors, non, mais bon, je vais quand même commencer par celui-là. Ok. En fait, parce qu'on en a parlé. Oups, pardon. C'est le maillot du Brésil, donc, de 98. Une que je trouve, moi je trouve superbe, mais je sais pas si je le trouve superbe parce qu'il est superbe ou si parce que c'est purement affectif. Parce que mon 98, je faisais quand même partie des Français qui supportaient la France, faut le dire, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui supportaient le Brésil. Moi je me souviens qu'il y avait plein d'amis qui supportaient le Brésil parce que la folie Ronaldo à ce moment-là, elle est exceptionnelle et la folie Zizou, elle est pas à ce niveau-là du tout. Zidane, ça commence vraiment à être une superstar dans le monde et même en France après la Coupe du Monde, quoi. Donc à ce moment-là, le truc qui était stylé, c'était Ronaldo, quoi. Et c'était le Brésil. Et je me souviens même, je me souviens que j'étais au collège, les filles le trouvaient beau. Donc, c'est pas vrai, vous avez vu ses dents et tout. Non, mais il y avait vraiment un truc de folie autour d'eux. C'était lui la star, quoi. C'était l'homme du moment et en plus, je sais pas, il y avait pas les réseaux, etc. Donc quand t'avais une star de ce niveau-là, forcément, c'est tout de suite, enfin, tout le monde le connaissait, en fait. Et indépendamment de ça, moi, autant le maillot de l'équipe de France de 98, qui était d'ailleurs un hommage, enfin, une ref au maillot de l'équipe de France de 84, parce que la première compétition qu'ils ont gagnée, je le trouvais, la ref était cool, mais c'était pas un très beau maillot, je trouvais, moi. Jamais trop magnifique. Celui-là, je trouvais trop stylé. Puis les Brésiliens portaient bien, ils étaient un peu plus cintrés, nous, c'était large, tu vois, c'était pas, on n'avait pas trop de style, en fait. L'équipe de France, c'était pas très stylé, je trouve, sur papier. Et non, c'était un maillot que je trouvais magnifique et que je voulais avoir et qui était genre, qui était trop cher en fait. Donc, puis surtout, j'avais le maillot de l'équipe de France, donc je ne pouvais pas avoir celui du Brésil. Tu vois, c'était trop d'art. Il y avait trop de. Mais c'était pour des raisons financières, quoi. Bref, ouais, non, voilà. Ça, c'est vraiment. C'est mon maillot préféré, je crois, en fait. Tu vois. Donc j'ai commencé par mon préféré. Les maillots, ils sont aussi associés vraiment à des souvenirs, à des moments de ta vie et de ton rapport au foot. Et là, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment les années où je suis à fond dedans et voilà, quoi. Donc celui-là, celui-ci en numéro 1 ou 5, je sais pas. Un peu entre. Et justement, ce maillot, je t'ai déjà vu sur des vidéos avec. Ouais. Pour toi, c'est quoi les caractéristiques d'un bon maillot pour pouvoir le porter? Ben, ça dépend, en fait, effectivement, ce que tu veux faire. Ce qui est cool, celui-là, c'est qu'en fait, il est assez simple. En vrai. Donc je trouve que ça se porte facilement. Après, la couleur, elle est criarde. Donc si t'aimes pas trop les couleurs, effectivement, tu peux pas mettre ça. Mais je pense que tu peux plus facilement mettre ça que... Comment ça me permet de montrer un autre maillot, tu vois. Tu vois, celui du Ghana, moi, je le trouve magnifique. Mais c'est un peu plus compliqué à mettre. Genre celui-là, tu vois, excuse-moi, c'est facile à mettre, tu vois. Le Barça de cette époque-là. Évidemment, tu vois que c'est un maillot de foot, mais je trouve que c'est assez facile à mettre. La couleur, elle est, moi, je trouve cool. C'est un maillot qui est différent, je sais pas, tu vois, je trouve que c'est des trucs qui peuvent être assez simples en mode lifestyle. Après, là où... Je te coupe, non, hein. Et comme tu dis facile à mettre, c'est le dimanche quand tu restes chez toi non à la play. Non, moi je sors avec ça. Ah, ok. Et moi je trouve même d'ailleurs que les maillots de foot, moi j'étais très frustré quand j'étais petit encore. Tu vois, tout ça, il ne s'agit que de revanche sur la vie. Hein. C'est le thème de cette discussion. Quand j'étais petit, ce qui était cool, c'était les maillots de basket. Les fans de basket, ils sortaient avec des maillots de basket et c'était stylé. Mettre un maillot de foot n'était pas du tout stylé. Et moi, j'ai acheté des maillots de basket alors que je connaissais rien en basket. J'avais un maillot Iverson, j'avais un maillot Kobe, repose en paix, j'avais un maillot Pau Gasol. Je savais pas du tout qui était Gasol. J'avais jamais entendu parler de ce mec-là. Et je trouve que là, c'est un peu en train de changer. Je trouve que, après, les maillots aussi maintenant se portent d'avant mieux qu'à l'époque aussi. Tu vois, ils sont un peu plus cintrés, ils sont un peu plus faciles à porter. Mais non, moi, je trouve que tu peux faire des tenues cool avec des maillots. Hein. Alors, on enchaîne. Bon, j'ai beaucoup de maillots du Real ici. Je peux tricher en montrer 2-3. Oui, allez. Ouais, bon. Non, en fait, celui que j'ai choisi, il est évident, c'est celui-ci. Mais c'est uniquement parce qu'il est floqué. Oh. Zidane, tu vois. Et vraiment, anecdote qui est complètement lunaire, c'est que j'ai acheté ce maillot, genre... C'est mes premières vacances avec des potes à Noirmoutier, mec. Et à un moment, je sais pas, je vais dans une boutique et t'avais des trucs, des maillots en solde, parce que c'était les maillots de la saison qui venaient d'être écoulés, je crois. Et il y avait genre Zizou pour je sais plus combien d'euros, mais vraiment, c'était
20-30 euros quoi, ce qui n'était pas du tout cher pour un maillot du Real qui n'était pas si vieux que ça. Et donc je l'ai acheté évidemment sur le champ parce que Zizou quoi, tu vois, évidemment, parce que le Real aussi, puis à cette époque-là, pareil, toujours une petite frustration aussi, c'est que moi les maillots du Real avec les matchs du Real avec Zidane, j'en ai plein que j'ai pas vu parce que j'avais pas Canal. Donc en fait, t'avais moins accès aux images que maintenant aussi. Donc tu voyais, tu sais, des fois je voyais des récaps avec des transversales de Beckham pour Zidane qui centre pour Ronaldo. Je sais, ouais, je vois pas ça en fait, tu vois, j'ai pas Canal. Est-ce que tu peux me redonner tes codes Canal s'il te plaît? Donc ouais, je dirais celui-là qui est vraiment, qui est pas si beau que ça, mais juste pour ce qu'il représente quoi. Et puis c'est le seul maillot de Zizou que j'ai. Et du coup, sur le Real, il y en a un autre quand même qui est vraiment d'époque. C'est monstrueux. Ouais, de 97 avec Roberto Carlos derrière, tu vois. Et ça, c'est beau. Et ça, pour le coup, je pense que vous connaissez, il y a un site qui s'appelle Classic Football Shirts. Ah, ça, la référence. Et voilà, et il y a plein de maillots qui viennent de là-bas. Il y en a plusieurs qui viennent de là-bas. Celui-ci vient de là-bas et c'est un cadeau d'ailleurs de ma femme pour un de mes anniversaires. Je suis un peu vénère parce que je crois que c'est du L et en vrai, il taille petit. Donc je sais jamais trop avec les années 90, donc il moule un peu, il moule plus que ce que je pensais, donc je le mets pas tant que ça, mais je le trouve vraiment vraiment beau, et pour le coup, tu vois, ça c'est vraiment vintage, ça, ouais, ça pue les 90, je trouve ça un peu plus compliqué à porter pour le coup, tu vois, c'est très très, voilà, c'est particulier, mais je le trouve vraiment magnifique. J'enchaîne ? On enchaîne. Ouais. Il y en a un qui va pas être content là-bas, mais prendre ce maillot de Manchester. C'est un manche long en plus. C'est un manche long, donc ça tue. Alors, petit souci, c'est que il a un petit trou ici, tu vois. Mais c'est pas très grave, tu mets un t-shirt blanc. Tu mets un t-shirt blanc, ça passe, et il est floqué. Oh. Andy Cole, surtout. Ah oui. Le fameux duo Cole-York, quoi. Donc, ça, pour le coup, c'est vraiment. Ouais, c'est bon, encore, on est toujours dans la même époque, hein, tu vois, c'est la fin des années 90. Moi, j'aime. Tu vois, alors, pour le coup, je suis pas un... On en parlait en rentaine, moi je suis pas un fan d'équipe, j'ai jamais été fan de Manchester. Tu vois. C'est jamais une équipe qui m'a fait rêver, mais ils ont eu des joueurs qui étaient extraordinaires, ils ont eu une période qui était extraordinaire. Et l'époque, ouais, Ferguson, Cole, York, Beckham, et même un peu avant Cantona, pour le coup, ouais, c'était assez important. Et puis j'avais l'impression que c'était. Je pense que les jeunes ne savent pas ça parce que c'est pas là, ça se passe pas comme ça maintenant, mais il y avait un truc de rouleau compresseur. Moi, c'est un club qui m'impressionnait. J'ai l'impression qu'ils étaient imbattables, qu'ils étaient surpuissants, avec un 4-4-2 super simple, mais genre qui était implacable, quoi. Donc voilà, et puis le duo Cole York, c'était incroyable, c'est vraiment stylé. Donc ouais, ce maillot-là, je le trouve vraiment, vraiment très, très beau, quoi. Et le flocage velours, enfin l'effet velours, je trouve ça trop cool, ouais. Ça mythique. Ouais, de ouf, ça tue. Et j'en ai, excuse-moi, j'enchaîne, mais allez, on y va. J'ai aussi un avec Paul Scholes quand même. Tu vois, mais pour le coup, le cerveau. Ouais, là, joueur incroyable. Bon, le flocage est beaucoup moins. Je crois qu'on, je l'avais ajouté d'ailleurs, c'est même pas un truc de. Mais ouais, tu vois, c'est pas des maillots qui sont spécialement. Enfin, celui-là, je le trouve pas spécialement beau, quoi. Juste c'est Scholes, donc voilà. Mais celui-là, il a un truc. C'est les, tu vois, c'est vieux, quoi. Ouais. Mais c'est stylé. Donc celui-là, je l'aime beaucoup. Est-ce qu'il y a un maillot que tu rêverais d'avoir là? En fait, c'est plus s'il y a des joueurs, je pense. Tu vois, j'aimerais bien avoir un. Moi, il y a un joueur que j'adorais, c'était Rivaldo. Et moi, je suis un fan de ces numéros 10 de cette époque-là, tu vois, les Rivaldo, les Recoba, les mecs comme ça. Donc, ouais, je dirais. Là, j'aimerais bien Rivaldo. Ouais. J'aimerais Rivaldo. Je trouve que c'est un joueur dont on parle pas assez, même si bon, il a un palmarès de fou et tout, mais pour moi, c'est vraiment un des très, très, très grands joueurs des années 90, quoi. Non, ce maillot-là du PSG. Opel. Voilà, qui est celui-ci pour le coup que je trouve vraiment très beau, que je porte encore quand je fais des fives surtout essentiellement. Donc ça fait vraiment j'en ai pas. Tu portes ça en five. Ouais. T'as pas peur que ça s'abîme? Non, moi c'est comme les baskets. Moi c'est pour être porté ça. Ah ok. Tu vois, c'est pour être porté. Et si ça s'abîme, il va se passer quoi? Ça va s'abîmer un peu. C'est pas grave en fait. Donc non, au contraire, tu viens au five, montre si t'as des beaux maillots, montre-les. Moi j'aime même, ça me fait plaisir quand des mecs viennent. Et montre leur beau match, tu vois. Moi, j'aime bien. Donc, non, je porte complètement ça au five. Et puis, en plus, ce que tu me dis, c'est révélateur. Mais je sais pas, moi, à l'époque, comme je l'ai acheté à l'époque, à sa sortie, c'est pas enfin, ça vaut pas de l'argent, ça, pour moi. Tu vois, c'est juste une valeur émotionnelle. Donc, pour moi, c'est une chose que j'ai envie de porter. Je les vendrai jamais, ces maillots-là, en fait. Tu vois. Peut-être un jour, je les donnerai à quelqu'un qui sera passionné, qui en fera un meilleur usage. Mais l'idée, c'est pas, je sais pas, de les stocker pour prendre de la valeur. Et j'ai le même rapport avec les baskets, d'ailleurs. Tu vois, genre, j'achète pas des baskets par spéculation ou pour. Ouais, okay. C'est vraiment pour les porter. Vraiment toujours. Mais voilà, donc. Non, c'est vraiment un truc, moi, je suis fier de. Enfin, je suis content de les porter. Donc, voilà. Et là-dessus, excuse-moi, justement, mais il y a quand même. Là, on est vraiment avec un flocage Paoletta d'époque. Par contre, le maillot, je le trouve pas très beau, celui-là.
notamment à cause du col, mais il y a le flocage Paoletta, ouais. Je l'ai mis dans un rap jeu celui-là, je crois, avec Fianso. Du coup, en parlant de Fianso, est-ce que, enfin, pour toi, c'est qui le rappeur qui a la plus grosse collection de maillots? Il y en a ou... Bonne question, je sais pas. Je pense un mec comme Jean Jass, à mon avis, doit avoir des maillots. Ah ouais, carrément. Je pense que c'est un gros fan de foot. Ouais, c'est possible. Ouais, on m'a vu, c'est surtout Liverpool, ouais. Mais je pense que Jean Jass, il a une grosse culture rap et il aime bien les joueurs. On aime bien un peu les mêmes joueurs, tu vois, les Riquelme, les, tu vois, ces mecs. Donc je pense que Jean Jass, à mon avis, doit avoir. Il doit avoir quelques. Et puis là, un mec qui a beaucoup de rêves sur le foot, parce que j'écoutais le projet avec Caris qui va sortir bientôt, donc je ne révèle rien. Kalash Criminel, il a souvent des bonnes fans sur le foot, tu vois, donc ça se voit que c'est un gros fan de foot et je me demande s'il a. Enfin, ce serait intéressant de savoir s'il a pas une collection de maillots un peu cool, quoi. Ok, ça marche. Et j'aimerais bien montrer le Nigeria, mais ouais, je vais montrer le Nigeria. Je vais montrer le Nigeria, on reste en 98. Il y avait la Juve que je voulais montrer, mais j'ai montré ça. Parce que celui-là, pour le coup, je le trouve vraiment trop beau. Alors, je kiffe ce maillot. Il est floqué Baba Yaro. Pourquoi il est floqué Baba Yaro? Ça, c'est un cadeau de mon meilleur ami. Et en fait, il voulait juste m'offrir un maillot cool de cette époque-là. Et il était, je pense, sur Classic Footballers et juste. Il a dû taper Nigeria et il y avait le flocage de Baba Yaro qui était proposé, tu vois. Il n'y avait pas Igpeba, il n'y avait pas Sunday Odyssey, il y avait Baba Yaro. Et donc il me l'a offert et ça tue. Et c'est encore mieux, tu sais, limite c'est encore plus improbable, ouais, et c'est encore carrément plus drôle, je trouve, enfin plus cool quand t'as un joueur qui n'est pas forcément évident. Et t'avais sinon celui de la Juve, pour en parler, donc tu l'as mentionné. Ouais, ouais, bah il y en a deux ici, de la Juve, ouais, t'as celui-là et t'as celui-là, ouais, exactement. Et là, avec, regardez-moi ce flocage d'El Piero foutu en l'air. Il est très très vieux. Mais ça, je l'ai beaucoup porté celui-là. Je l'ai beaucoup porté. Même la matière. Ouais, 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 touche, hein, fais-toi plaisir. Oh, privé, hein. Puis le sponsor, ta boîte, tu vois. Ouais. C'est. Ouais, voilà. Donc, ouais, la Juve, ouais. La Juve. Mais en fait, ouais, après, je suivais aussi Zidane, tu vois. J'en ai plusieurs de la Juve, j'en ai plusieurs du Real. J'en ai pas de Bordeaux et de Cannes, mais bon. Mais voilà. J'aimerais bien que tu fasses la conclusion avec une anecdote sur le foot. Que tu penses que personne connaît. Non, mais moi, je peux vous raconter parce que c'est tout récent et c'est assez drôle. Mais ça, il s'agit de Thierry Henry. Mais il y a un scoop pour vous. Ouais, non, mais en fait, j'ai pris un selfie avec lui récemment. Un selfie qui est un des pires selfies de l'histoire. Donc, vraiment, c'est la photo est floue, il regarde pas l'objectif, c'est une cata. Et en fait, ce qui se passe. Je raconte l'histoire parce que j'ai pas raconté les deux sous du truc, mais c'est assez drôle et c'est archi Thierry Henry dans l'esprit. Donc ça tue. Moi, j'ai vécu un moment incroyable. En fait, donc c'était un match du PSG et j'ai eu la chance d'être invité par mon ami Adrien, que je salue, dans un. Après, t'avais un salon qui s'appelle la galerie là-bas où tu peux manger, etc. Thierry Henry qui vient dans la galerie pour aller parler à une table qui est un peu plus loin. Moi, je suis fanatique de Thierry Henry. Vraiment, c'est trop, quoi. Et moi, je fais, ouais, on va pas faire les relous à demander une photo, quand même. Et là, il y a Fif de Bouscapé, mon pote, qui est à la table aussi avec moi, qui fait, Mehdi, c'est Thierry Henry, c'est une superstar mondiale. Son travail, c'est de prendre des photos. On va lui demander une photo. Thierry, j'appelle Thierry maintenant. On a fait un selfie raté, je l'appelle Titi. Et donc, il va pour partir, et Fif lui demande, Thierry, est-ce qu'on peut prendre une photo et tout? Et Thierry Henry accepte sur le champ, tu vois. Très cool. Du coup, tout le monde se lève, Fif a lancé un mouvement, donc tout le monde se lève pour prendre une photo avec lui. Et en fait, il y a un mec qui, je pense, était, était assez alcoolisé, quoi, qui vient pour prendre une photo et qui est très tactile avec Thierry Henry et qui lui dit, j'ai pas tout entendu, mais qui lui dit des trucs du style, tu sais, il le prend pour son petit, quoi. Il lui fait des trucs comme ça à Thierry Henry. Oula. Tu vois. Il lui dit un truc, je crois. Oui, je te connais du quartier, je sais pas quoi. Tu vois. Et apparemment, moi j'ai pas vu, apparemment il aurait mis, je vais pas te le faire parce que j'ai beaucoup de respect pour toi, il aurait mis une petite table comme ça. Comme si genre, Thierry Henry était son petit, quoi, vraiment. Donc là, Thierry Henry était. Oh, mais c'est qui en fait? Donc il le remet en place, il lui dit, monsieur, faut arrêter de boire, etc. Donc le mec. Part, mais je crois que le mec se rend pas compte de ce qui se passe. Il est bourré, tu vois, il se rend pas compte qu'il est en train de se faire mettre à l'amende par Thierry Henry, qui est excédé. Et moi je me dis, mais je vais pas prendre une photo. C'est pas possible, je vais pas l'emmerder alors que. Et en plus, ce qui est drôle, c'est que le mec, le coupable, on l'appellera comme ça, va se rasseoir à sa table et en fait, il est juste devant, juste derrière Fif. Thierry Henry ne lâche pas le gars du regard, tu vois.
Et là, vous avez un problème, monsieur? Et Martin, je crois que c'est pour lui, le pauvre. Tu lui fais, mais j'ai rien fait. En fait, c'était le mec qui était derrière lui. Donc, tu sais, on était tous mal, tu vois. Et donc, en fait, moi, quand je vais prendre la photo, j'ai un autre gars de la table qui dit, ben, je te prends si tu veux. Je fais, non, je veux pas l'embêter. Donc, je prends un selfie vite fait. Et c'est bon, j'ai pas envie. C'est Thierry Henry, merde, mais il est énervé. Déjà, je me sens mal lui demander. Et du coup, je prends un selfie. J'ai pas mis le truc live, donc le truc est figé. Et en fait, on voit qu'il regarde pas l'objectif, il regarde le mec encore. Donc si vous regardez la photo, il est comme moi, je regarde l'objectif. Lui, il regarde là-bas, ça bouge. Bon, c'est une cata. J'ai très mal, j'ai complètement raté la photo. Mais je veux dire, lui, en fait, il est encore en boucle sur le mec qui lui a manqué de respect. Okay. Sur le moment, c'était un peu bizarre. Et au final, ça reste une anecdote qui est assez drôle, quoi. Et après, je me suis dit, bon, ce selfie est raté, mais c'est presque mieux finalement. Mais j'espère que si Zizou vient au PSG et qu'un jour j'ai la chance de faire une photo avec lui, je laisserai quelqu'un prendre la photo. Voilà, je ferai pas le malin. Et bah du coup, c'est sur cette belle anecdote que la vidéo s'achève. Merci à toi de nous avoir accueillis à Paris. Avec grand plaisir. Sur les réseaux, on peut te suivre. Ouais, sur Instagram, Mehdi Mao, sur Twitter aussi. Si vous voulez voir Jean Jass ou un autre rappeur dans la collègue, vous faites savoir en commentaire. On met un pouce bleu et on active la cloche. À la prochaine.